Salut la big famille, ça c'est le roi Tchougol Mouina Mannequin en direct de face à la caméra pour Strong de King. Alors ça c'est Mouina Mannequin, le roi Tchougol, artiste musicien d'origine congolaise. Dans la musique, ça fait quand même un bon moment, mais là on va dire plus sérieusement depuis 2 ans. La musique africaine en général et un peu plus la musique congolaise, mais après ce que je fais c'est de l'afrobeat. On dirait que le meilleur souvenir là, c'est ce qui s'est passé dimanche. Ce qui s'est passé dimanche, franchement, pour moi, ça m'a énormément touché. On est venu me chercher, on est en cortège, beaucoup de motos, etc., plusieurs voitures. Après, on est arrivé dans un endroit où j'étais vraiment attendu et tout. Franchement, je pense que c'est le meilleur souvenir là, actuellement. En tout cas, c'est un souvenir qui me motive énormément à me surpasser et à aller de l'avant. Dans ma discographie, j'en compte plusieurs. Après, il y en a qui sont pas connus, il y en a qui sont pas sortis. Mais là, plus de 5. Hein, quand même. Après, il y en a énormément avec qui j'aimerais bien collaborer, avec qui aussi on est en discussion actuellement. Après, je me limite pas vraiment. Je préfère pas aussi dévoiler des noms actuellement. Ça va sortir bientôt. Mais je suis vraiment quelqu'un de assez ouvert. Je peux très bien me retrouver avec un artiste rap. Je peux très bien aussi me retrouver avec un artiste reggae. Je suis vraiment ouvert de ce sens-là. Yeah. Donc en vérité, Tchougol, ça a commencé avec mes frères, avec mes cousins, dans des soirées. On a une danse comme ça. Quand je dis danse Angoma, t'as la danse Tchougol, c'est ça. C'est une danse, à chaque fois que je la faisais, par exemple avec mon frère Papa Top, les gens avaient du mal à la faire. Donc ils étaient un peu bloqués, un peu en contre-temps. Donc du coup, c'est au fur et à mesure qu'on la faisait, ça a commencé à me venir dans la tête. Je disais que comme les gens n'arrivent pas, je disais Nabengo, danse Angoma, tata. Mais quand tu danses un peu avec Philippe, avec Caris, t'es pas obligé de transpirer, etc. Donc c'est comme ça que ça m'est venu. Et à la suite de ça, j'ai commencé à créer les paroles et tout. J'ai appelé Merco, j'ai dit Merco, là je pense que je tiens quelque chose de bien. Il m'a dit ah ouais, tout ça, je lui ai commencé à le faire un peu comprendre le concept. Et directement, il est rentré dans la peau de ça. Arrivé au studio, on a fait le beat. C'était avec un autre aussi de mes cousins, Yamendez. Il a fait une ligne de guitare. Et c'est parti assez rapidement, en vérité. J'ai fait les paroles, on a fait les chœurs, tout. C'était bouclé même très très rapidement même Tchougol. En fait c'était un délire, un feeling que j'avais avec mes frères et qui aujourd'hui est sorti comme ça, Tchougol. Le million de vues, ça me fait beaucoup plaisir, c'est ce qui crédibilise un peu l'artiste, mais c'est pas tout parce que c'est bien beau de faire le million de vues, mais il faut qu'aussi le titre, que tu reçois des vidéos, que tu reçois un peu de l'engouement, que les gens écoutent, tu vois, il y a des gens qui font des millions de vues, mais le son il tourne pas plus que ça, tu vois. Et moi ce qui m'a fait plaisir c'est que j'ai reçu énormément de vidéos de partout dans le monde, des enfants qui ont kiffé le son, etc. Franchement, j'ai reçu énormément de trucs. Et arrivé ici à Kinshasa, j'ai vu que le son tournait énormément. Le son, tout le monde avait déjà écouté. Après, peut-être qu'il y avait un déficit avec mon visage. Je ne savais pas que c'était moi, le créateur de Tchougol. Ça, c'est une autre chose. Mais ça m'a fait plaisir parce que Tchougol, c'est un peu rentré partout dans le monde maintenant. Donc, ça me fait énormément plaisir. Mais ce n'est pas tout d'avoir le million de vues. Il faut aussi qu'on l'écoute dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est ça qui me fait plaisir avec Tchougol. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me donne pas de limite. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faut que je sois le plus haut possible. Je me donne zéro limite, même dans un an, même dans demain même. Si je peux faire quelque chose d'extraordinaire, je le ferai. Je me donne zéro limite, je veux aller le plus haut possible, je veux continuer ça à m'amuser, continuer à amuser les gens. En gros, moi, je suis quelqu'un, je me dis que quand on écoute la musique de Mouina Mannequin, il faut qu'on se dise que vas-y, je vais oublier mes soucis, je vais oublier mes problèmes pendant 3 minutes, pendant 2 minutes et quelques. Et c'est vraiment ce que je veux transmettre et ce que je veux faire. Donc par rapport à ce que je me vois dans 10 ans, je me vois le plus haut possible et je me donne aucune limite.
Cédric Bakambu, c'est mon frère, c'est mon frérot. Tu vois, c'est mon ami, un ami très 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 proche. Et mon frérot, c'est la famille, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je parle avec la maman, avec les soeurs, toute la famille. Donc, c'est vraiment la famille. Après, ressemblant, je savais pas qu'on se ressemblait. Hein. Il va rigoler quand il va regarder ça. Bakagol, il va rigoler. Après, je sais pas si on se ressemble, mais en tout cas, c'est la famille, c'est le cœur. Et il participe aussi à l'avancement de ma carrière. Et je l'en remercie énormément pour tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc la Big Family, ça c'est le roi. Là actuellement je suis au Congo, le pays de ma maman. Je suis énormément content d'être ici. Je continue à faire ma tournée. Je vais tourner mon prochain clip ici au Congo. J'espère qu'il vous fera plaisir. J'espère qu'il va vous faire danser. Si vous écoutez la musique de Mwinda Mannequin, faut oublier vos soucis. Faut vous bouler seulement que faut danser l'ambiance. Et voilà, on est ensemble. Ça c'est le roi. Alors pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est facile. Sur Snap, c'est Damwin, donc Mwinda à l'envers. Sur Instagram, Mwinda Mannequin, sur Facebook Mwinda Mannequin, Twitter Mwinda Mannequin. Thank you, baby.